Hey yo, bonjour, Bonsoir. Je mets les lunettes de soleil à disposition tout simplement parce que je suis malade et des fois j'ai mal aux yeux et donc du coup je mets les lunettes de soleil. Voilà, donc on a fait un peu de Zelda. Toujours le fail. J'arrive pas à passer la putain de caverne. C'est le deuxième niveau et c'est déjà trop dur. Et donc du coup, suite du programme là pour cet après-midi. Overwatch 2, en fin d'après-midi. Peut-être du TFT ou du League of Legends, je sais pas. On va surtout regarder la vidéo de Y Penser sur la musique. Et juste après, on va faire du trombone champ. On va voir si j'ai assez de scrales. Alors, comment je vais faire moi? Mettre là-dessus? Non. Je sais pas où la mettre. Ah tiens, je vais faire ça. Hop. On va verrouiller. Oh non, la télé est éteinte. Oh, la télé est allumée. Voilà, comme ça je le mets là. Et là. Mince. Comment ça marche la musique? Ok, c'est ça. Hop là, je pense que ça ira. On est parti. Ça fait longtemps, littéralement des années, qu'il y a un sujet qui me travaille et dont j'ai envie de parler. Et alors attention, quand je dis que ça fait longtemps, ça fait au moins depuis que j'ai 15 ans, ça c'est sûr, mais sans doute plus encore. Un sujet qui soulève un paquet de questions artistiques et culturelles, mais également mathématiques et scientifiques. Et ce sujet, c'est la musique. Alors, je ne vais pas vous parler de telle chanson ou de tel artiste ou de telle œuvre, hein. Je veux dire, c'est pas du tout le sujet. Non, le sujet, c'est comment ça marche la musique? Comment est-ce que des instruments de musique produisent des sons? Pourquoi est-ce qu'un piano et une guitare peuvent produire la même note, mais pas le même son? On remet la vidéo, j'étais mal cadré, c'est reparti. Ça fait longtemps, littéralement des années, qu'il y a un sujet qui me travaille et dont j'ai envie de parler. Et alors attention, quand je dis que ça fait longtemps, ça fait au moins depuis que j'ai 15 ans, ça c'est sûr, mais sans doute plus encore. Un sujet qui soulève un paquet de questions artistiques et culturelles, mais également mathématiques et scientifiques. Et ce sujet, c'est la musique. Alors je ne vais pas vous parler de telle chanson ou de tel artiste ou de telle œuvre, hein. Je veux dire, c'est pas du tout le sujet. Non, le sujet c'est comment ça marche la musique. Comment est-ce que des instruments de musique produisent des sons? Pourquoi est-ce qu'un piano... Ouais, déjà, comment ça marche la musique? Donc là, il parle de son déjà de base, mais comment ça marche la musique? La musique, c'est un assemblage de beaucoup de choses, et il y a aussi le côté artistique qu'il faut pas négliger. Donc du coup, de dire on assemble des sons, ça fait de la musique, et on les met en rythme, ça fait de la musique, théoriquement ça marche, mais en vrai, c'est pas... Enfin, oui. C'est pour ça que j'étais sur... J'ai pas fini ma phrase, excusez-moi, mais... J'ai été sur cette vidéo parce que comment ça marche la musique? Et je me suis dit, mais il a trouvé la solution à toutes nos réponses. Déjà, nous, en tant que musiciens, on a du mal à les trouver. Lui, il a trouvé direct.
Donc le fait de dire la musique elle est accessible, ok, mais qu'est-ce que la musique? Ça c'est un truc que je pose à mes élèves justement. Pourquoi on fait de la musique? Eh bien, qu'est-ce que la musique? Donc je vais vous dire déjà ma définition à moi de la musique. La musique c'est un assemblage de sons qui est mis dans un certain sens pour que l'auditeur, donc la musique est un langage, pour que celui qui écoute nos paroles, qui écoute ce qu'on a à dire au niveau de la musique, puisse ressentir quelque chose, puisse comprendre quelque chose. Et après la compréhension, on peut passer des informations avec des émotions ou pas. Donc voilà, pour moi, la musique, c'est un échelonnage de sons qui ont été mis dans un certain ordre pour déclencher une émotion et pour faire partir un langage et faire transmettre quelque chose. Voilà, on va voir où lui il va aller. On est reparti. Et une guitare peuvent produire la même note, mais pas le même son. Pourquoi est-ce qu'il y a des notes quand on les joue ensemble, ça sonne juste, et puis d'autres notes quand on les joue ensemble, ça sonne faux? Et ça dépend des contextes aussi, hein, parce que il y a des notes, on va jouer ensemble, ça va sonner faux, mais le fait d'en rajouter une, ça va sonner juste alors qu'on en rajoute juste une. Voilà, on verra. On va voir par la suite comment il va se débrouiller. Et comment est-ce qu'une musique peut trigger des émotions fortes chez nous? Il y a des musiques qui peuvent me mettre la chair de poule ou me tirer des larmes. Bref, en un mot, commençant, comment ça marche? Alors, clairement, là, il va falloir repartir de zéro pour comprendre ces choses. Donc, la musique, c'est composé de sons. Et bah déjà, comment ça marche un son? Le son, on a eu souvent l'occasion d'en parler, ce sont des... La musique est composée de sons. Oui, mais juste un son n'est pas de la musique. Donc, repartir de la base, la musique est composée de sons. Ouais. Ouais, il a pas tort en soi, mais c'est des sons qui sont échelonnés pour faire partager un langage. Parce que quand on parle, on a un rythme, on a une articulation. On a un flux, et c'est tout ça qui va faire justement. On a des notes, oui, même en parlant, on a des notes. On a notre voix qui monte, qui descend. C'est toutes ces informations-là qui vont faire une phrase et qui vont pa faire partir à la compréhension. On a exactement la même notion sur la musique, donc c'est des notes, oui, mais pas que. Et là, il passe sur la base du son. Les ondes qui se propagent. Alors, c'est pas exactement comme la lumière. La lumière, c'est aussi une onde qui se Les ondes propage. qui La se lumière a propagent, besoin de milieu dans lequel se mais propager. c'est La des lumière se ondes propage très bien dans le vide. là où il y C'est d'ailleurs là a. qu'elle se propage, le C'est pas vide. dans le vide, Le son, voilà. en revanche, ne peut pas se propager dans le vide. Donc, ça, là, c'est lié immédiatement. Le son a besoin de se propager dans quelque chose parce que le son, en réalité, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le son, ça fait partie de ces trucs qu'on appelle les ondes mécaniques et c'est un truc qui n'a pas d'existence propre en réalité. Si vous prenez par exemple la surface de l'eau et vous jetez un caillou, voilà, donc vous allez déformer ce milieu qui est l'eau, voilà, vous allez créer des petites vaguelettes, des ondes qui se propagent. Ces ondes, elles n'existent pas. Vous ne pouvez pas attraper l'onde et la mettre ailleurs. C'est la déformation de l'eau que vous voyez se propager, c'est ça qu'on appelle l'onde. Et lorsqu'une telle déformation arrive jusqu'à nos oreilles, mettons une déformation dans l'air, si je tape dans mes mains, j'expulse d'un coup très violemment l'air qui se trouvait entre mes mains. Ça crée comme une espèce de courant d'air très localisé qui se propage dans toutes les directions. Alors attention, c'est pas vraiment un courant d'air quoi. Enfin si, non, mais ce que je veux dire, c'est que là on parle au niveau moléculaire. Je veux dire, c'est pas comme un courant d'air comme du vent quoi. D'accord? Oui, donc quand je tape dans mes mains, ça crée une déformation qui va se propager. Et cette propagation, quand elle va atteindre mes oreilles ou vos oreilles ou un micro, eh ben ça va être interprété comme un son. En réalité, ce qui se passe, c'est que cette déformation, elle va faire vibrer nos tympans. Alors ça, bon, on l'a vu dans les vidéos sur Louis. Ensuite, il va se passer un paquet de trucs qui vont activer notre membrane basilaire. Voilà. Donc là, c'est important ce qu'il dit, c'est que quand il y a un son, il y a un émetteur, un récepteur. Et donc du coup, le son, il est produit par une déformation de l'air.
Il est réceptif, il est réceptif. Il est reçu par un récepteur, justement, qui est ou l'oreille humaine qui le capte, ou des capteurs sensoriels qui peuvent aussi interpréter le son pour avoir une hauteur, enfin, pour avoir la donnée. Et là, on a notre donnée de son, donc par rapport à une fréquence et une oscillation. Et là, il expliquait un peu tout ce qui est au niveau de au niveau de lui, c'est voilà. Vous vous rappelez, hein, la membrane basilaire, c'est un long truc tout fin qu'on a dans la tête, de chaque côté, et en fait, dont des petits morceaux peuvent s'activer selon la fréquence du son qui est reçu. Hein, ça permet de discriminer les fréquences de son. Et du coup, si je tape dans mes mains, ou même n'importe quel son qui arrive, ça va activer différentes zones de la membrane basilaire qui va interpréter chaque activation comme un son de fréquence différente, et notre cerveau va recomposer tout ça pour en faire un son interprétable. Et notre cerveau est hyper fort pour faire ça. Mais genre, vous n'avez pas idée de à quel point il est fort pour ça. Genre beaucoup plus que nos yeux, par exemple. Ouais, les hallucinations auditives, ça arrive tellement souvent. Le truc, on entend un son, on croit en entendre un autre, mais vu qu'il n'est pas dans notre base de données au niveau de ce qu'on connaît, il va aller chercher vers quelque chose d'autre. Il dit pas comme nos yeux, mais si, c'est exactement la même chose. Les hallucinations visuelles, c'est comme les hallucinations auditives. Le truc, on croit savoir entendre quelque chose parce qu'on l'a dans notre vocabulaire. Et là, on rentre en compte du langage. On prend tout ce qui est par rapport au langage, le champ lexical. Voilà, j'avais pas le mot. On prend le champ lexical de tout ce qui est au niveau du langage. Et donc, du coup, si on n'a pas le vocabulaire, on ne comprend pas. Et là, le truc, on essaye de se rapprocher d'un vocabulaire qu'on connaît. Et donc, du coup, on croit comprendre par rapport à un son. On croit le comprendre par rapport à ce qu'on connaît, mais en fait on ne le connaît pas, et donc du coup c'est autre chose qui est interprété différemment. C'est comme une hallucination, c'est pareil. Là, c'est exactement une hallucination. Voilà. Si je vous montre par exemple à l'écran un tas de dégradés de bleu, mais qui sont quasiment le même bleu, alors on va mettre de côté le fait que YouTube compresse la vidéo et que donc il y a des pertes, etc. C'est-à-dire que je vous garantis que même si vous l'aviez sur une feuille de papier devant vos yeux, vous seriez incapable de distinguer un bleu d'un autre. Et non Moi, je serais seulement ça, mais en incapable, là, plus, je si je vous pourrais montrais pas. un bleu et qu'ensuite je vous montre le dégradé de bleu en vous disant c'est lequel que je vous ai montré tout à l'heure, vous seriez infoutu de trouver le bon. Et bien, vos oreilles, elles savent faire ce genre de distinction. Par exemple, voilà, si je vous fais écouter un son et que maintenant je superpose à ce son un son qui est presque le même, vous le sentez là qu'il y a un truc qui Vais va laisser pas, hein? finir. On le sent qu'il y a un truc qui va pas. Alors, je sais pas si vous l'avez entendu, mais juste 401 Hz, donc une fréquence qui diffère. Le 401 il est plus haut. Le truc, c'est que nous, dans la musique, on a un point de référence et on essaie d'écouter, justement, quand on ajuste les instruments, la différence qu'il y a entre les musiciens qui n'ont pas l'habitude et les musiciens qui ont l'habitude d'accorder des instruments, c'est que les musiciens qui n'ont pas l'habitude, ils prennent l'accordeur et ils se disent, je me mets dans l'aiguille. Boum. On se reprend une note de référence qui est le La, c'est 440 Hz. Pour le La 4, on l'appelle le La 4 parce que c'est le quatrième de octave du piano. Ah, il y a le voisin qui joue à FIFA. Oui, donc du coup, le La 4 qui est à 440 Hz, le Hertz, c'est la fréquence de vibration, d'oscillation. Donc du coup, il va l'expliquer après. Ça, il n'y a pas de problème parce que ouais, c'est un scientifique. Le truc, c'est qu'on prend une référence et sur notre référence, si on arrive, si on est plus bas ou plus haut, on entend une oscillation. Donc du coup, notre point de référence ne bougera pas. Si derrière la vibration, elle est petite, on sera plus haut. C'est quand on entend waouh 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 très vite, et ben ça sera un peu plus haut. Si on entend waouh waouh waouh, la deuxième elle sera plus basse parce que justement la vibration sera plus basse. Si comment dire, c'est comme ça qu'on entend des instruments faux. Si on fait la même note en même temps et qu'on entend waouh 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 waouh, c'est limite ça frictionne l'oreille. Elle sait pas où aller, si elle va au-dessus ou en dessous. Donc du coup, ça fait bugger, ça fait un peu crier. Et là, on dit, ouais, non, c'est moche, ça marche pas. Et on arrive à le détecter, nous. Là, il y a juste 1 Hz, mais on arrive à l'entendre. Je vais le remettre. C'est lequel que je vous ai montré tout à l'heure,
vous seriez infoutu de trouver le bon. Bah, vos oreilles, elles savent faire ce genre de distinction. Par exemple, voilà, si je vous fais écouter un son, et que maintenant je superpose à ce son un son qui est presque le même. Moi, je l'entends vibrer fort. Vous le sentez là qu'il y a un truc qui va pas, hein? Hein? Pas agréable, cette histoire, hein? Et les gens qui ont ce qu'on appelle l'oreille absolue sont capables de reconnaître avec une précision redoutable. Mais bon, c'est pas non plus aussi précis qu'un oscilloscope. Hein. Avec une précision redoutable, donc, si une note entendue est exactement ce qu'elle est censée être ou pas. J'aime bien le ou pas. Parce que le truc, les gens qui ont l'oreille absolue, ils entendent quelque chose. Et d'ailleurs, ça c'est horrible, je le souhaite à personne. J'ai un pote en Belgique qui a ça et franchement, c'est horrible. Le truc, il y a un son, il dit c'est cette note-là par rapport au piano. Donc du coup, il se base toujours par rapport à la notion de piano. Et donc en do. Et c'est pas un instrument transpositeur. Moi, je joue de la trompette, donc du coup, je pense beaucoup en si bémol. Et lui, il pense en do. Donc ça veut dire que sa note qu'il va entendre, il va dire un do. Si moi, j'entends un do, ça va être un si bémol. Voilà, c'est ça le truc de penser en ton, hein, par rapport à ton instrument. Le truc, c'est qu'il va entendre un klaxon, il va dire que c'est un la bémol plus bas. Ou bien un sol dièse plus haut. Alors que c'est presque la même chose. Mais enfin, c'est pour ça que c'est la même de dire le son direct ou pas. Ça dépend justement de où il se situe. Et ça, c'est l'oreille absolue. Il y a l'oreille relative que j'ai moi, parce que c'est le travail. L'oreille absolue, on l'a innée. On peut travailler dessus, c'est très dur de la développer. Par contre, l'oreille relative, c'est ce qu'on peut tous avoir. On a un son, na, et si on a un son, na, on va faire un échelonnage pour dire, on va vers le haut, vers le bas, na, na, vers le haut, et je l'ai fait au hasard, mais c'est une tierce. On va compter combien de notes on a entre deux. À partir du point de départ au point d'arrivée, ça fait un intervalle. Na na na. Et on en a trois, donc ça fait la tierce. Et donc du coup, on a une tierce entre une note et une autre note. Je serais incapable de dire la première note, je serais incapable de dire la deuxième note. Mais si j'ai la première note, je saurais dire la deuxième parce que justement, j'ai mon intervalle. Et ça, c'est l'oreille relative. Et ça se travaille. Et il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Du ermite pour pas l'écho. Ceux à qui ça parle, hein, je connais des gars qui sont capables à l'oreille et sans référence de distinguer un La 440 Hz et un La 432 Hz. Là, il va dans l'extrême parce que entre un La 440 Hz et un La 432 Hz, ça s'entend horriblement, c'est presque un demi-ton. C'est horrible. Déjà en 436, on entend la différence. Entre 440 et 442, on entend la différence. Donc c'est pas question de dire oreille absolue, ça n'a rien à voir. L'oreille absolue, c'est comme j'ai dit, c'est que sans référence, sans rien, on sait dire par rapport à notre référence interne qui est le La 440, on peut dire quelle est la note qui se rapproche le plus du son qu'on entend. Un klaxon de voiture, on va dire, c'est un La bémol. Un oiseau qui chante, il a fait si ré do si, je sais pas, de la merde. Mais ceux qui ont l'oreille absolue, ils disent ça. Ceux qui ont l'oreille relative, là par contre, le fait d'entendre la différence entre un 440 et un 436, il a dit, ou un 432, je sais plus, on entend la différence parce que justement, on a notre La de référence. On l'entend. Parce qu'on l'entend qui va plus bas. Comme le 442 qui est plus haut que le 440, et on entend la différence. D'ailleurs, on le règle sur l'instrument. Entre un 440 et un 442, sur ma trompette, j'ai 1,5 mm. Que je dise pas de conneries, 1,5 cm. Pas 2 mm. Je travaille trop dans la série pour dire 1 mm. On va dire, ouais, c'est 5 mm, quoi. Entre 4 et 5 mm, quand on tire la coulisse. On a une différence. On l'a physiquement aussi. Je vous fais écouter les deux, hein. Ouais, c'est coupé parce qu'il y a le chien qui aboie parce qu'un La 440, ça énerve. C'est le bip qui fait osciller l'oreille des chiens aussi. Au niveau de la vibration, c'est pas agréable pour eux.
Et donc du coup, là, on l'a bien entendu, la différence entre le 442, le 432 et le 440, on l'entend bien que ça fait... C'est presque un demi-ton. Et donc du coup, ouais, il n'y a pas besoin d'être musicien, d'avoir l'oreille absolue pour entendre la différence, parce qu'on l'entend très bien là. Là, Là, ça nous j'espère que le semblerait chien, il romain. va pas aboyer, Mais mais on si vous l'entend en bien. faites écouter un sans aucune interférence en linéaire, je Na vous garantis que c'est pas la même histoire. Puis si vous comprenez rien du tout de ce que je viens de dire, partez pas, vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'était juste une parenthèse, puis on va y revenir. Voilà, donc un son, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs que dans notre tête, qui est l'interprétation d'un phénomène mécanique. Ce phénomène mécanique étant la propagation d'une déformation dans un milieu donné, par exemple. Oui, donc un son qui n'existe que dans notre tête. Ouais, ok, mais non, c'est l'interprétation qui est dans notre tête. Le son existe, le son est, je veux dire, il est physique, il est pas physique parce que c'est une oscillation, c'est une déformation de l'air. Mais la vibration est là que nous on interprète en tant que note. Voilà, donc c'est dans notre tête, oui, et qui se déplace dans un milieu. Et donc, du coup, vu qu'il se déplace dans un milieu. Il peut être freiné, et donc du coup, s'il est freiné, il perd de vitesse, et s'il perd de vitesse, il y a un moment où on ne l'a pas parce qu'il va perdre de fréquence. Un peu comme le camion de pompier. Quand il passe, on entend de loin. Non, 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 non. Quand il est loin, on l'entend très grave, et quand il se rapproche, on l'entend plus aigu. C'est justement parce que quand il est loin, le son prend plus de temps à arriver. Et donc, du coup, la déformation de l'air, elle se fait, mais il y a un frein. Donc, ça veut dire que l'oscillation, elle est plus large. Et donc, il y a un moment, on ne l'entend même plus parce que c'est inaudible à l'oreille. Exemple, l'air. Et en vrai, dans ce que je viens de dire, il n'y a strictement rien qui devrait vous choquer. Je veux dire, c'est exactement pareil pour la couleur. La couleur n'existe que dans notre tête. Donc, tout Oui, ce qui se là-dessus, passe il a dans la raison. réalité, par définition, ce sont des constructions de notre cerveau. Oui, parce que aussi le daltonisme, l'être humain qui est daltonien va toujours voir le monde à sa façon. Et donc du coup, les couleurs qu'on a tous, avec tous les bâtonnets, tous les pigments, ce que vous voulez dans les yeux, ce que la plupart des gens voient, si un daltonien le voit et qui dit non, mais c'est pas rouge, c'est bleu, pour lui, c'est le bleu, c'est son interprétation du bleu. Mais qu'est-ce qui nous dit que le bleu est bleu? Qu'est-ce qui nous dit que le bleu, c'est pas du rouge? Nous, on le voit en tant que bleu, mais c'est par rapport à la réflexion de la lumière. C'est une interprétation. Voilà, le son, c'est pareil. On dit qu'un la, c'est un la parce qu'on a interprété le son pour dire que c'est un la. Voilà. Et si on veut dire un mi, eh ben on peut dire un mi si on veut. En musique, on a la solution. On change la clé à l'écriture, on a trouvé. La lumière, c'est des interprétations de signaux électriques qui arrivent dans les nerfs optiques. Je veux dire, le toucher, c'est l'interprétation d'électromagnétisme, C'est ce que je etc. viens de Donc, dire. si je dis J'ai essayé de systématiquement faire la que suite l'un comme de ces ça deux va sans. changer, ça fait un son. Et ben, ce son, il va avoir plusieurs Sans caractéristiques. Et bouger. notamment, puisqu'on parle d'ondes, il y a deux caractéristiques qui vont nous intéresser. C'est sa fréquence et son intensité. Ce sont classiquement les deux propriétés les plus importantes d'une onde. Sa Voilà. longueur, la longueur d'onde, hein, et son intensité. Et alors, juste histoire que ce soit super clair, voilà, parce que il y a 10 secondes, j'ai parlé de fréquence, là je parle de longueur d'onde. Longueur d'onde et fréquence, c'est la même Peut-être qu'il chose. s'agit de la même chose. Voilà. Fréquence et longueur d'onde, ça désigne C'est en fait deux l'intervalle qui est entre un sous-amplitudes, signal. c'est tout. Et vous savez quoi, en fait, je pense qu'on va pas y couper. Donc, on va faire une parenthèse pour expliquer ça. Bon, déjà, puisqu'on parle de son, on va fixer le milieu tout de suite pour pas être emmerdé. On va dire que chaque fois qu'on parle de son, on parle du son dans l'air. D'accord? On va pas Mais de toute parler de la façon, tu peux pas propagation avoir un d'ondes son dans dans. l'air. Le son dans l'eau, tu l'as, mais il dure pas longtemps. Dans l'air. Et la C'est un vitesse peu à laquelle l'histoire on circule, c'est des une donnée dauphins. qui est connue. C'est une donnée qui est fixe, qui est connue, qu'on Les connaît, dauphins, et les qu'on baleines. appelle la vitesse du son, que peut-être vous connaissez plus sous le nom de mur du son. Alors en réalité, Ouais, c'est le une Mach variable 1. million, cette vitesse du son, elle va dépendre de la température de l'air, de la pression de l'air. On ne va pas se préoccuper de ça, d'accord? On va dire que dans ce qu'il est convenu d'appeler les conditions normales de température et de pression, globalement un état normal, la vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde, soit à peu près 1200 km/h. Ah. Ce qu'on appelle Mach 1. Ça veut dire que lorsque vous produisez un son, ce son va créer une déformation qui va se propager dans l'air à 340 mètres par seconde. Vous faites un son, une seconde après, il est 340 mètres plus loin, Wow. dans toutes les directions. Maintenant, mettons que vous produisez une onde bien régulière, une jolie sinusoïdale.
Et peu importe comment on fait ça, hein, je veux dire, c'est pas le sujet, c'est juste pour l'exemple. Et donc exactement comme les vagues à la surface de l'eau, votre onde, en fait, elle reproduit un motif avec une crête, puis un creux, puis une crête, puis un creux, etc., qui se répète et qui se propage. Tant que ça se répète, c'est bon, on peut le... Si vous mettez, par exemple, la distance entre deux crêtes, mais peu importe où vous prenez votre mesure, en gros, si vous enregistrez le motif complet, eh ben, la longueur que vous obtenez, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Voilà. Si vous savez que votre onde se propage à 340 mètres par seconde, vous êtes capable de dire, une fois que vous avez la longueur de cette onde, vous êtes capable de dire combien vous allez en voir passer en une seconde. Ça, c'est ce qui s'appelle la fréquence. Donc, si vous avez une onde qui mesure 1 mètre, par exemple, eh ben, avec une vitesse du son à 340 mètres par seconde, vous savez que vous allez voir passer cette onde 340 fois en une seconde. C'est une onde à 340 Hz. Sa fréquence est de 340 Hz. Et alors juste Hz. Donc Hz, c'est une unité, mais en gros, c'est un synonyme de par seconde. Chaque fois que vous entendez Hz, entendez par seconde. Par exemple, si je vous dis, je vais vous mettre des claques à une vitesse de 3 claques par seconde, bah vous allez prendre des claques à une fréquence de 3 Hz. Et ensuite, exactement... J'aime bien son petit smile. Les vagues peuvent être plus ou moins hautes. Et ben, votre onde peut être... Ça, je peux pas contester, c'est de la mathématique et je suis pas matheux. Sa hauteur, c'est ce qu'on appelle l'intensité de l'onde. Et en ce qui concerne le son, globalement, pour le dire très vite, c'est ce qui va faire que votre son va être plus ou moins fort. Et ça se passe dans le temps. C'est pour ça que si je parle comme ça, je dis hey, bonjour, ça va ? Une seconde après, on entend mon hey, bonjour, ça va ? À 340 mètres secondes plus loin, mais on l'entend pas. Parce qu'en fait, il s'est atténué. Il n'est plus assez fort. Ah non, 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 non. Il ne s'est pas atténué. Ce n'est pas qu'il est plus fort. C'est justement qu'il s'est détérioré. Il ne s'est pas atténué. Et il reste le même. Le truc, c'est qu'on a une perdition. On a des frottements dans l'air. On a des molécules qui se déplacent. Donc du coup, le truc, le son qui a une vibration, quand il va passer dans l'air, il va se déformer. Il va se rétracter. Il va perdre en intensité. Donc oui, on l'entendra pas parce qu'on l'entend, il va pas passer sous, il va passer sous le seuil audible, mais avec des infrasons, des dispositifs de captation qui sont en dessous de l'oreille humaine, on pourrait l'entendre. Le truc, c'est que c'est juste que avec la perdition dans l'air, la perdition de l'air, on ne l'entend plus à un certain niveau. Voilà. Et c'est l'intensité se perd, oui, mais c'est pas le son qui est perdu, c'est l'intensité du son qui est perdu. Sur intensité, fréquence et longueur d'onde. Donc un son, ça va être un truc un peu complexe qui va être composé en réalité de plein d'ondes. Et quand ça va arriver dans nos oreilles, la membrane basilaire, elle va décomposer toutes ces ondes selon des fréquences. Elle va activer, envoyer des signaux électriques, etc. Notre cerveau va recomposer en fonction de toutes ces informations pour reconstituer le son. Et il va également discriminer en fonction des intensités de chaque onde au sein de ce son pour distinguer ce qui est plus fort et ce qui est moins fort. Et donc, comme je le dis, il fait ça très bien, mais très vite. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça fonctionne avec des seuils. C'est-à-dire que la membrane basilaire, elle ne marche pas à l'infini dans les deux sens, hein, puisqu'elle a une longueur finie. Donc, ce qui se passe, c'est que la membrane basilaire, globalement, elle ne s'active pas en dessous de 20 Hz pour un son. Pour un son qui est plus grave que 20 Hz, elle ne captera pas. Les infrasons. Au-delà de 20 000 Hz, donc 20 kHz. Les ultrasons. Alors pour un jeune, et je commence à avoir mal au crâne. On entend bien tout ça. Et puis avec les années, eh ben, ce spectre de fréquence va se réduire naturellement. On va perdre un petit peu d'efficacité au fur et à mesure sur les extrémités de la membrane basilaire. J'aime bien le mot spectre des fréquences. Dans notre capacité à entendre des sons plus ou moins forts. C'est-à-dire les sons qui sont très peu forts, on va de moins en moins bien les entendre. Mmh. Et ça, c'est si tout se passe bien. Si on traumatise nos oreilles en écoutant des sons trop fort, trop longtemps. Bah là déjà, ce qui va se passer, c'est que s'il y a un son qui est trop fort, trop brutal pendant trop longtemps, au niveau des tympans, c'est le système des nocicepteurs qui va se mettre en place. Donc c'est les responsables de la douleur qui vont prendre le relais pour protéger nos tympans, pour nous forcer à faire comme ça. Voilà. Donc ils vont faire ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire pas grand-chose, pour protéger nos tympans. Donc voilà, j'insisterai jamais assez, mais je suis pas là pour vous faire la leçon non plus. En plus, on en a déjà parlé dans les vidéos sur lui. Voilà, c'est n'écoutez pas de son trop fort, trop longtemps, trop violent. Trop brutalement, genre d'un coup, c'est pas bon. Tiens, d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est même pas écrit dans le script, ça, mais j'y pense. Vous savez pourquoi, quand vous voulez imiter quelqu'un qui gueule, vous le faites en chuchotant? Ouais, c'est un paradoxe. Le truc, on comprend mieux le langage
Au lieu de recopier, on le fait en caricature. Donc du coup, le fait de crier, on va le faire doucement. Et si quelqu'un qui va parler tout doucement, eh ben, on va faire « Ouais, mais je sais pas. » On va parler plus fort. Et derrière, quelqu'un qui dit « Ouais, mais non, mais... » Ouais, en fait, j'ai fait la même chose. Non, mais c'est... comment dire ça? C'est pas par rapport à la caricature. Nous, on veut pas s'essouffler. On sait que l'autre, il crie. Mais va pas crier de sa façon parce qu'on explique la situation d'un gars qui crie. On fait pas... Enfin, c'est une caricature, c'est une réinterprétation. Il y a quelqu'un qui a gueulé, qui dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc il fait comme ça, ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel, Ouais, toi? j'arrive pas à le Et faire, mais voilà. quelques gens dit qu'il en avait fait un bout de sketch d'ailleurs de Ken ça, je Kojandi, crois il que est c'est trop même fort au niveau de la une musicologie. émission qui est dispo sur YouTube, enfin peu importe, c'est pas le sujet. Vous savez, en fait, le fait de le chuchoter, c'est une excellente approximation du son de quelqu'un qui gueule. Mais on va pas voir ça maintenant, on verra ça plus tard. Oui, non, voilà, parce que tout ça, parce que, genre, on n'est pas là Moi, pour j'attends la parler suite de de ces vidéos parlons justement de pour voir où cinéma, est-ce de qu'il veut en venir. Marseille. Aujourd'hui, on est là pour parler de musique. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de la musique, il faut qu'on commence à s'intéresser aux fondamentaux de la musique, la brique élémentaire de la musique, une simple note. Oui, parce que voilà, dans le monde occidental, à part quand on fait de la musique expérimentale, classiquement, la musique, c'est quoi? C'est un ensemble de notes qui sont jouées plus ou moins en même temps ou successivement pour produire des harmonies, des mélodies, du rythme, etc. Et donc, Voilà, c'est ce que j'ai dit au départ. Donc du coup, il rejoint ma définition de la musique, à savoir que la définition de la musique, on a tous sa propre définition. On ne peut pas avoir une définition qui est bien ancrée. Et il l'a bien dit dans notre monde occidental. Et ça, j'aime bien aussi, parce qu'au niveau oriental, c'est pas la même chose. Enfin, si, c'est la même chose, mais c'est pas les mêmes notes. Le principe reste le même. Pour moi, une musique, c'est un son qui est échelonné dans le temps. Et qui est, enfin, c'est un ou plusieurs sons qui sont échelonnés dans le temps, à différentes hauteurs, à différentes fréquences. Voilà. Et ce qui fait la musique, c'est l'harmonie entre tous. C'est quoi l'harmonie? C'est le fait d'avoir quelque chose d'audible, enfin, au niveau de la musique, quelque chose, on va dire, entre guillemets, de lisse, et qui puisse. Que les sons vont bien ensemble. Voilà. Si on met deux sons qui ne vont pas ensemble, qu'on entend que ça marche pas, on va changer les sons pour essayer d'en faire un meilleur. Je sais pas comment m'exprimer là-dessus, mais pour moi, la musique, c'est vraiment ça. C'est un langage, déjà, c'est une expression. La musique, c'est une expression qui contient le son, donc la fréquence, justement, savoir où on fait le son. Le rythme, qu'on appelle le rythme, donc du coup l'agencement des sons dans le temps. On rajoute les articulations, on rajoute, comme au niveau d'intensité de son, on rajoute des nuances, plus ou moins fort, à gauche, à droite, comme dans Bohemian Rhapsody, justement, le morceau de Queen. Qu'ils ont réussi dans les années 80 à faire Little High et Little O en étant à droite et à gauche. C'est les premiers à avoir fait ça. Enfin, il me semble que c'est les premiers à avoir utilisé le stéréo de ce côté-là, en disant je vais d'un côté, je vais de l'autre côté. Donc, du coup, on a un aspect spatial aussi. Donc, savoir où va le son, à gauche, à droite, devant, derrière. Et ça doit inculquer un langage. Par rapport à l'articulation, par rapport à la phrase, par rapport à l'intensité de son. Voilà, donc s'il y a phrase, s'il y a articulation, il y a message délivré, s'il y a message, il y a interprétation en face. Donc voilà, c'est pour ça que je dis toujours que la musique c'est un langage, parce que ce qu'on conçoit nous, c'est un message qui est porté vers l'auditeur. Et l'auditeur le comprend ou pas. Il le comprend s'il y a le vocabulaire, il ne le comprend pas s'il n'a pas le vocabulaire. Donc la brique élémentaire de tous ces trucs-là, c'est bien la note. Et une note de musique, c'est un machin qui a une hauteur. Hein. Vous connaissez, hein? Do, ré, mi, fa, sol, etc. Ça, c'est la hauteur de la note. Non. Et voilà. Do, ré, mi, fa, sol, c'est le nom de la note. On ne peut pas dire que c'est des hauteurs, parce qu'on peut dire, sur une même note, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend à dissocier les clés. On met que des deuxièmes lignes, des notes avec que des deuxièmes lignes, on peut faire do ré mi fa sol la si do en changeant juste la clé. Donc du coup, c'est pas la hauteur de notes, do ré mi fa sol, la hauteur de ça c'est les noms des notes qu'on a nommés nous
Les latins, je veux dire entre guillemets les latins, parce que les anglo-américains c'est ABCD, ainsi de suite. Et les allemands ils ont rajouté le H, voilà. Voilà, j'avais fait une autre vidéo justement, vous pouvez la voir, sur le sujet. Donc du coup, là c'est les hauteurs de notes, c'est justement la fréquence de notes qui change. La hauteur de la note, c'est simplement sa fréquence. La hauteur d'une note, Merci! un do, un ré ou un mi, c'est la fréquence de l'onde qui produit cette note. C'est tout, c'est pas plus compliqué que Voilà, ça. et le Et fait de alors, dire maintenant, Ré mi, que c'est ça assez monte ou compliqué, ça n'est-ce pas? descend, ouais, Eh bien, pourquoi on pas, va vérifier mais. un truc tout de suite. C'est que même si on peut C'est pas forcément mathématiquement vrai. et théoriquement, on peut s'occuper de ces trucs-là, en réalité, ça n'a pas vraiment de sens de parler d'une note en dessous de 20 Hz ou au-dessus de 20 kHz. Parce que nos oreilles ne sont pas capables de l'entendre. Mais on peut tout à fait, hein, je veux dire, on peut imaginer la hauteur d'une note à 100 000 Hz. Voilà. 100 kHz, on sait produire une onde de 100 kHz. Voilà. C'est pas À audible, mais partir c'est du un moment où son tu sais faire l'onde, chose ça fait le super son. aigu. C'est un tout petit peu en dessous d'un sol, d'ailleurs, c'est pas exactement 100 000 Hz le sol. Mais voilà, mais ça sert à rien, mais on peut. Et donc, pour partir de la base, on va partir d'une note qui est hyper classique, qui est une note. Comment il sait justement que c'est un sol plus bas? Ça, le truc, c'est que par rapport au son, à la vibration, on a ce qu'on appelle un spectre harmonique. Et dans le spectre harmonique de l'onde, on arrive à mettre plusieurs notes, donc du coup plusieurs sons dans un son. La vibration peut être jumelée avec une autre vibration. Et donc du coup, on peut dire que quand on a l'onde du sol, on peut entendre un mi, on peut entendre un do dedans, on peut entendre des autres notes. Pardon. Des autres notes que notre note elle-même. On le compare sur le piano, justement, ça je le fais tester à mes élèves. Je me mets sur le piano, je laisse appuyer la touche de mi et j'appuie sur un do. Mais le do, je fais pop. Et bah le mi va commencer à faire mi. Pareil avec le sol. Ta. Ni. Et si on laisse notre doigt appuyer sur la touche, on va entendre justement les cordes du piano à cet endroit, donc sur la touche de mi que je laisse enfoncer pour justement libérer les cordes. On va les entendre vibrer. Et comme des fois on est dans la salle de guitare et on a des guitares au mur, on fait des sons, on s'arrête d'un coup et on entend les guitares vibrer. Et juste, c'est là justement qu'on voit que dans nos notes, on a des vibrations qui peuvent entrer dans d'autres vibrations. Donc du coup, un peu comme des fréquences jumelles. Et justement, ces vibrations-là, ils peuvent se jumeler et aller ch se chercher eux-mêmes, voilà, par le spectre harmonique. Et ça, c'est marrant, justement, quand tu fais une note et que tu entends la guitare qui fait là. Note sur laquelle il y a beaucoup d'instruments qui s'accordent en réalité, et c'est une note qui s'appelle le La 440, qui est. Alors là, on s'accorde beaucoup sur le La 440, pourquoi? Parce que on a des instruments, genre le piano, qui est déjà réglé de base et qu'on ne peut pas dérégler. Donc du coup, on prend les instruments qui ne peuvent pas se dérégler d'abord comme base de référencement. On a notre 440 Hz quand on joue avec un piano. Par contre, si on ne joue pas avec un piano et qu'on a, genre, je sais pas, le vibraphone, c'est sûr, marimba, peut-être, je vais pas m'avancer, mais les vibraphones, ils sont réglés en 442 Hz. Donc du coup, si on joue avec un vibraphone ou un xylophone, on va devoir se mettre en 442 parce que cet instrument-là ne peut pas changer, mais nous on peut, en tant que trompette, clarinette, flûte et tout ce que vous voulez. Donc du coup là on va se mettre en 442. Il y a des moments où on peut aller dans des églises et jouer avec des orgues. Les orgues ils peuvent être à 436, 435 Hz. Voilà. Donc du coup lui il va pas changer non plus, il peut pas changer. Donc pour qu'on soit dans la même harmonie, on va pas se mettre en 440. On va se mettre en 436, on va se mettre par rapport à l'instrument qui ne bouge pas. Donc le référencement en la 440, c'est pas automatique. Était ainsi intelligemment nommé du fait qu'il s'agit d'un la et que sa fréquence est de 440 Hz. Fallait pas être la moitié d'un trou de balle pour y penser à celle-là. Et c'est donc une onde qui se répète 440 fois par seconde. Et du coup, il y a quoi dans cette onde? C'est une jolie sinusoïde? Eh bien, en réalité, et c'est ça qui est beau, ce qu'il y a dans cette onde, ça peut être potentiellement n'importe quoi. Attends. Et ouais, ça j'aime bien ce qu'il dit. Je le laisse parler. Quoi? Si vous avez une onde, quelle qu'elle soit, aussi moche et irrégulière qu'elle soit, mais que vous la répétez de façon régulière 440 fois dans une seconde, ce que votre cerveau va entendre, c'est un La 440.
Quel que soit le contenu de l'onde. Ouais, j'avoue, là, je comprends pas. Est-ce qu'on peut... Si je prends n'importe quel son, le bruit d'une bagnole, un chien qui aboie, un vieux qui pète. Non, vous savez quoi, sur cette chaîne, en fait, ce qui se passe, ça a toujours un peu manqué d'expérience, vous ne trouvez pas? Donc là, on va faire l'expérience. Si je lâche un trousseau de clés par terre, écoute. On entend plus, pom. Donc du coup, ça fait un son qui part vers le grave, qui va vers l'aigu et qui revient vers le grave, par rapport à son choc de clé. Le truc, c'est qu'on va forcément entendre un trou quelque part, parce que ça, son onde est déjà en cloche. Et donc du coup, s'il met ce son-là, qui est de base en cloche, et qu'il va le répéter X fois, et ben, on va entendre tac, 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 ça va saccader, obligé. Que j'enregistre le son du trousseau. Parce que justement, tu as un haut et un bas. Brut. Voilà. Dans un logiciel de... Le truc, on voit très bien ici. Et là, on voit que ça fait une grosse pente, ça descend et ça remonte. Donc du coup, si le coupe ici, c'est bon, ça va faire haut, bas, haut, bas. Mais s'il fait répéter ça, ça va faire haut, bas, un petit peu, haut, bas, un petit peu. Donc son onde, elle n'est pas régulière. Si son onde n'est pas régulière, c'est la hauteur de crête qui va privilégier. Donc... Mon onde, elle va faire ça. Si elle s'arrête là, eh ben, il faut que je refasse un pic pour qu'il soit régulier. Donc, couper la fin. Là, si tu coupes pas la fin, eh ben, tu auras le trou de ça. Voilà. Traitement du son. Alors, j'insiste, je ne modifie pas ce son. Je ne modifie pas, je ne change rien. Je ne le nettoie pas, je le laisse avec ses qualités, ses défauts. Je vais juste couper ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Je le laisse brut. Et ce son, je vais le copier-coller jusqu'à en avoir 440 à la suite. Donc, à ce stade, Ableton. J'ai 440 fois... le bruit d'un trousseau de clé qui tombe. Ce qui est pas ouf. Tu commence à accélérer ce son jusqu'à en avoir 110 par seconde, 220 par seconde et 440 par seconde. Il y a un petit trou, on l'entend. C'est 440 trousseaux de clé qui tombent successivement en une seconde. Ça, c'est un la 440. Vous voyez ? Enfin, plutôt, vous entendez ? Non. T'es bon, Nicolas. Merci. Pour quelqu'un. Ouais, elle est bonne la couleur, hein. N'importe quel son qui se répète. J'aime bien les pubs québécoises. Pardon pour la pub, j'ai pas YouTube Premium, bien sûr. Un son de piano, c'est vrai. Mais d'abord, il faut qu'on constate un autre truc. Un truc super important. Un La 440, c'est donc une onde qui se répète 440 fois en une seconde. Pour le contraire, j'ai pris un son que j'ai copié-collé 440 fois et j'ai foutu tout ça en une seconde. Et la brique élémentaire de ce son, c'est le son du trousseau de clé qui tombe. Mais c'est moi, on l'a déjà dit. Mais si je dis que plutôt qu'avoir ce son répété 440 fois, en réalité, j'ai ce son, qui est en fait le même son deux fois de suite. Et donc, ce super son-là, je l'ai répété 220 fois. Donc voilà, ça change rien. Si au lieu d'avoir le son simple 440 fois... Là, je comprends pas ce qu'il dit. 220 fois. Mais comme le son double contient deux fois le son simple, ben on a bien toujours le son. Parce simple. Que le son double, ça fait une. De... C'est. Mais ce son double. C'est comme si on dirait que 4, c'est 2 plus 2. Il se répète 220 fois. Je devrais entendre un son à 220 Hz. Ah bah oui, tiens. Et c'est quoi un son à 220 Hz? Un son à 220 Hz, c'est également un La, comme le La 440, mais une octave en dessous. Un son à 220 Hz, c'est ça. Bah ouais, bah du coup, comment ça se fait qu'on l'entend pas dans les trousseaux de clés là? Bah, je sais pas qui t'a dit qu'on l'entendait pas dans les trousseaux de clés. Parce que la réalité, c'est qu'on l'entend aussi. Ça, c'est un La 440, pur. Ça, c'est un La 220, pur. Ça, c'est le son qu'on a fabriqué. Le son avec le 440. Le son avec le 220. Vous entendez? J'entends pas le bas. J'entends surtout le 440. Là, j'avoue que maintenant, moi, j'entends quand même un peu les deux. C'est possible? Ah bah, non seulement c'est possible, mais c'est exactement ce qui se passe. Hein. Je te confirme que t'entends les deux. Et je vais même te dire mieux. T'en entends en fait plus que ça encore. Je suis parti d'un son. Et là, c'est le spectre harmonique, mais moi, je l'entends pas. Mais en réalité, je peux le diviser en deux et ça fait un son double à 220 répétitions. Mais je peux aussi dire que j'ai un son qui est composé de 4 fois le trousseau de clé. Et donc, qui est répété 110 fois. Ou de 8 fois le trousseau de clé. Qui est répété 55 fois. Ah, d'accord, je comprends ce qu'il veut dire en fait. Le fait de découper ta fréquence, de dire que tu es par 2 ou par 1 ou par 4, ou ce que tu veux, c'est pour délimiter le spectre harmonique et pour dire qu'on peut arriver à faire des autres notes dans la même fréquence. 220 fois,
55 fois ou 40 fois et je m'arrête là parce qu'après c'est trop grave pour qu'on puisse l'entendre. Sans compter que la restitution audio sur YouTube, voilà. Oui, parce qu'on peut aussi bien dire que c'est un son constitué de 220 trousseaux de clés qui tombent successivement, mais répétés deux fois, donc à une fréquence de 2 Hz. Totalement inaudible. Ok, mais ça répond toujours pas à ma question de pourquoi est-ce que moi j'entends surtout, et j'ai envie de dire j'entends que, celui à 440. Et bien pour paraphraser une vidéo assez récente de la chaîne, c'est avant tout une question de perception. Oui, parce que si je vous montre ce dessin-là et que je vous demande combien de fois est-ce que le motif est répété, spontanément, vous allez regarder, vous allez me dire 6 fois. Parce que spontanément, mais on peut dire 3. Ceci était le motif. Et effectivement, il est répété 6 fois. Mais si le motif c'est ça, et ben il est répété 3 fois. Et si le motif c'est ça, il est répété 2 fois. Et puis si le motif c'est ça, tout le dessin, il est répété qu'une seule fois. En fait. Mais de la même manière que vous avez interprété immédiatement le motif comme étant le motif le plus simple, et votre cerveau entend au niveau du son le motif le plus simple qui se répète régulièrement. Et donc le son simple du trousseau qui se casse la gueule, 440 fois. Mais sinon, tous les sons que tu as cités, là, 220, 110, 55, 40, tout ça, ils sont tous dans le son qu'on entend. Exactement. Même celui-là. Là, c'est une note à 88 Hz. J'ai pas l'impression de l'entendre, celui-là. Il est là, que tu l'entendes ou pas. Mais que tu l'entendes ou pas, c'est une question d'interprétation de ton cerveau, parce que c'est quelque chose qui se passe dans ton cerveau. Mais encore, t'entends. C'est pour ça qu'il y a des notes qui se mixent et une note tournant. Ouais, j'entends bien, ouais. Et ben, en fait, tous les sons qui vont être, on va dire, des divisions par deux, 220, 110, 55, tout cela, on les entend bien, c'est propre. Parce qu'en fait, ce sont des octaves en dessous. Je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi c'est propre, mais c'est comme ça. Ceux qui ne sont pas pile, les divisions par deux, là-dedans, ils font un peu tard. Ah ben, c'est sûr que ce son-là, ce n'est pas le son d'un violon ou d'un piano ou d'une guitare. Hein. Oui, c'est vrai, mais il y a une autre raison à ça. Quoi, comme raison tu veux? Un son qui soit propre, rien de tel qu'une onde sinusoïdale. Et pour fabriquer, pour produire une onde sinusoïdale, rien de tel qu'une corde tendue. Ou une peau tendue. En deux dimensions. Ou un dé tendu. Si vous prenez une corde et que vous la tendez entre deux extrémités, comment peut-elle vibrer? Eh bien, elle ne peut pas, parce qu'elle est tendue. Ouais, non, enfin, si, bien sûr qu'elle peut vibrer. Enfin, ça, c'est pas une barre de fer, l'histoire. Hein. Une barre de fer pourrait vibrer d'ailleurs. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Une barre de fer, ça vibre, tout vibre. Mais la frotter, voilà, donc elle peut se mettre à vibrer. Ma question, c'est de quelle façon est-ce qu'elle va vibrer? Bah, j'ai envie de dire de façon sinusoïdale, puisque c'est de ça dont on parle. Mais non, oui, évidemment, mais enfin, ok. Si vous faites vibrer cette corde et que vous prenez des photos de cette corde qui vibre à des instants différents, vous pourrez très bien avoir une photo comme celle-là, ou une photo comme celle-là, ou encore celle-là. Ouais, admettons. Je ne dis pas qu'on aura nécessairement tout ça. Je dis que ce sont des choses qu'on va pouvoir obtenir. En tout cas, on ne pourra pas obtenir un truc comme ça. Ça, c'est pas possible, puisque les extrémités sont fixes. Elles ne bougent pas. Et pareil, on ne pourra pas obtenir un truc chelou, genre comme ça. Parce que la corde est globalement tendue. Là, j'exagère le mouvement pour qu'on le voit, mais globalement, elle est tendue. En réalité, quand on va faire vibrer cette corde tendue, elle va vibrer de toutes ses façons possibles, avec des intensités différentes. La plus grosse vibration qu'on va avoir, c'est celle-ci. Mais on va aussi obtenir celle-là, également celle-là, puis celle-là, puis celle-là, etc. Et en théorie, ça va... Mais je vois pas comment elle fait vibrer des trucs au milieu si elle s'est tendue, en fait. Que dans la réalité, ah ouais, parce qu'il y a une perdition au milieu. Mais surtout, voilà, au bout d'un moment, suffisamment longue, il ne va pas y avoir suffisamment d'intensité, il va y avoir des frottements, des machins, enfin, voilà, donc ça ne va pas jusqu'à l'infini. Ni ça. Après cette première grosse vibration donc, qui correspond à une demi-période d'onde, ni ça. Concrète, en fait, on va avoir que des multiples entiers de ce motif-là. On va en avoir 2, puis 3, puis 4, puis 5, etc., etc. En tout cas, on n'aura toujours que des multiples entiers. On ne pourra jamais avoir 1,07 fois le motif ou bien 3,12 fois le motif. Bah oui, parce qu'après, t'es pas dans le... Parce que les extrémités sont fixes. On peut avoir qu'un motif pile. Et du coup, ouais. Ça fait quoi comme son, ça? Eh bah, regardons ensemble. La corde, si on la fait vibrer, sa plus grosse vibration, celle qui correspond vraiment à une demi-période. Tu serais pas dans la fréquence. Le temps qui va se passer
entre deux moments où la crête est à son maximum, et vous avez la longueur d'onde produite. Parce que la vibration elle-même, elle va produire une déformation dans l'air qui va se propager. C'est ça le son qu'on va entendre. Et une fois qu'on a la fréquence de cette onde, eh ben on a la hauteur de la note correspondante. Ah. Et pour les multiples, eh ben pour les multiples, on peut également les mesurer, mais on n'a pas besoin. Parce qu'on dispose d'outils mathématiques très puissants. Qui vont nous permettre de calculer les fréquences de ces ondes que jusqu'à maintenant on va appeler les ondes secondaires. Ouais, enfin, j'espère que ça ne va pas être trop pointu niveau mathématique, parce que tu sais que sur cette chaîne, les maths, ce n'est pas spécialement. Lorsqu'on va avoir deux motifs, la fréquence va être deux fois plus grande. Lorsqu'il y aura trois motifs, elle va être trois fois plus grande. Lorsqu'il y aura quatre motifs, elle sera quatre fois plus grande. Ça va le matheux, t'arrives à suivre? Ah ok, c'est bidon. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la huitième, quand il y a huit motifs, c'est, la fréquence est huit fois plus grande que la première? Exactement. Ouais ok, niveau maths, ça va effectivement aller. Et la note en question qui va sortir, la première note, celle du grand motif, et bien ça va dépendre de la longueur de la corde. Enfin, précisément, de la longueur de la corde entre les deux extrémités. C'est à ça que ça sert, hein, les cases sur une guitare. Ça sert à créer deux points fixes, en fait, sur une corde. C'est-à-dire que quand vous pincez une corde avec le doigt, vous avez d'un côté un point fixe qui est au niveau du chevalet, donc sur le corps de la guitare, et l'autre point fixe qui est déterminé par votre doigt. Mais attention, le point fixe, ce n'est pas l'endroit où il y a votre doigt. Lorsqu'on pince une corde avec le doigt dans une case, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on force la corde à se fixer contre ce qu'on appelle un fret. Vous savez, ces petites tiges qui dépassent le long du manche. Titre, c'est sérieux. Donc, lorsque vous pressez une corde. C'est pas un fret, c'est une frette. Un fret, c'est le train. C'est ce point-là que se trouve la deuxième extrémité fixe de la corde. C'est ce qui fait que vous pouvez presser votre doigt un peu n'importe où dans la case. Dès lors que vous coincez bien la corde, vous aurez le même son qui sortira. C'est vrai et c'est faux, parce que justement, si on presse trop près de la frette, on va grincer. Mais il a bien dit, dès lors qu'on appuie bien sur la corde, on peut se mettre justement en bord de case et appuyer super fort pour dire « Ok, on fait la pression et ça marche ». Donc ouais, il a raison sans avoir raison là-dessus. Enfin, il y a 90 points, c'est un abus de langage. C'est le même principe pour les basses. Hein. Sauf qu'il existe des basses qui n'ont pas de frette. Et les guitares aussi, il n'y a pas que les basses. Et là, par contre, attention, là, il faut que votre doigt se pose exactement à l'endroit où se trouvait le fret. J'aimerais trop avoir une guitare fretless. Pile la bonne note. Sinon, vous serez toujours un petit peu à côté. Ah, mais comme le violon, en fait. Exactement comme le violon. Un violon n'a pas de fret. C'est pour ça que c'est une tannée sa mère de jouer correctement du violon. Parce que votre doigt, vous le posez 1 mm à côté, vous n'êtes plus sur la note. Ça ne s'entend pas nécessairement hein, comme ça, mais vous n'êtes plus sur la note. Et donc, quand dans un orchestre, vous avez 15 violons qui jouent la même note, s'il y en a un qui est 1 mm à côté, rappelez-vous, hein, si on a deux sons qui se ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes... Là, je t'entends vibrer. Voilà. Ça vibre vite. Le violon, c'est dur. Ta wa 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 wa. Enfin, vite, lent. Wa 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 wa. Vibrer la corde à vide. Et donc là, il va y avoir l'autre extrémité fixe naturelle de la guitare. Donc il y a la première qui est toujours sur le chevalet, hein, sur le corps de la guitare, mais au bout du manche, il y a un autre machin qui s'appelle le scié de tête. Jamais entendu parler. Et ben, moi non plus avant de faire cet épisode. Mmh. Le scié de tête. Ouais, ou juste le scié, ça marche aussi. Ah, mais parce que tu connaissais ce truc-là ? Bah oui. Non, pareil, c'est en préparant l'épisode. C'est parce qu'on est la même personne en fait. Hein, sur ça. Quoi ? Ouais. Attends, même l'autre là ? Et ouais. Ouais. Donc ces cordes-là, quand elles vibrent, eh ben, elles vibrent de toutes les façons possibles. Alors, il y a la façon la plus simple, celle avec une seule crête, celle qu'on entend le plus, qu'on va appeler la fondamentale. Si je joue une note à la guitare et que je vous demande de chanter la note, c'est celle-là que vous allez chanter. Et puis il y a toutes les suivantes, qui sont plus aiguës et qu'on entend moins, et qu'on va appeler les harmoniques. Et elles sont fondamentales. Non mais là, pardon, t'es con, je veux dire, mais c'est, tu me dis, il y en a une, elle est fondamentale, et les autres, c'est les harmoniques. Elles sont dedans, c'est le spectre. J'avoue, c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas ouf. Non, mais faites pas non plus ceux qui ne comprennent pas. Je veux dire, c'est chiant, quoi. Je veux dire, ok, donc il y a la première, c'est la fondamentale. Et puis il y a les autres, ce sont les harmoniques. Et elles sont très importantes. Ouais, ça passe. Mettons que sur un piano ou une guitare, je joue un La 440 et que je veux vous faire entendre toutes les ondes qui sont produites derrière. Vous avez la fondamentale, donc ça, c'est le La. Puis vous avez l'octave au-dessus, toujours un La, mais à 880 Hz. Puis la troisième harmonique, donc 3 fois 440 Hz, ça c'est un Mi. La quatrième, 1760 Hz, c'est à nouveau un La, celui encore au-dessus. La cinquième, 2200 Hz,
c'est un do dièse. La sixième, 2640 Hz, c'est à nouveau un mi. La septième, 3080 Hz en gros, c'est un sol. Attends, stop, stop. Et c'est pour ça que la demi-sol, ça sonne. Comment ça, en gros? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la tempérance des notes dans la musique occidentale. Dans la musique occidentale. Disons simplement que c'est les notes que vous avez l'habitude d'entendre, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, avec des dièses, des bémols, tout ça. Pour pouvoir avoir des notes qui sont audibles, reproductibles, enfin, pour simplifier tout un paquet de trucs, il a fallu simplifier un peu les maths derrière. En gros, on a fait des arrondis. Ouais. Si vous avez déjà vu un piano, vous savez qu'un clavier de piano est constitué de 7 octaves. 7 touches blanches et 5 touches noires qui se répètent. Donc les 7 touches blanches, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et les 5 touches noires, c'est do dièse, ré dièse, fa dièse, sol dièse, la dièse, ou ré bémol, mi bémol, sol bémol, la bémol, si bémol. Voilà, et donc sur un clavier de piano, un do dièse et un ré bémol, c'est la même touche, la même note. Mais pas sur un violon. Exactement, sauf que ça ne devrait pas, parce que mathématiquement, en réalité, c'est pas la même note. Ah non? Non. Mais du coup, c'est chiant, non? Non, oui. Ouais, on s'en fout. Moi, ouais, complètement. En vrai, là, il faut bien entendre. Tout ça, c'est juste pour expliquer que mathématiquement, on tombe plus pile sur la note au bout d'un moment. Cela étant, il faut avoir l'oreille drôlement fine pour entendre la septième harmonique. Hein, on l'entend, on l'entend. Là, dans des exemples, on l'a entendu. Et c'est pour ça qu'on tire la coulisse sur le ré et le ré bémol. Celle-ci. Sur. Ouais, ça fait mal quand c'est arpégé comme ça. Quand tu joues un la au piano, on n'entend que le la. Toutes les notes que tu viens de jouer là, on les entend pas. D'ailleurs, il a fallu que tu les joues. Mais elles sont dedans. En réalité, si, on les entend. Mais il y a deux choses. D'abord. On les entend justement, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on appuie sur le la et on va faire le mi, ça va sonner. Ça va faire résonner les cordes. C'est le spectre harmonique. Sur les harmoniques suivantes. C'est-à-dire que la troisième harmonique est déjà moins forte que la deuxième harmonique. Et deuxièmement, en fait, c'est vraiment si on enlève les harmoniques que là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque et qu'on a un son super plat. Genre quoi? Je veux dire, au piano, si tu joues que la fondamentale, ça donne quoi? Ça donne à peu près ça. Attends, mais c'est pas du tout un son de piano, ça. Non, on est parfaitement d'accord. Alors, déjà parce que je l'ai fabriqué un petit peu vite fait, ce son, et que je suis pas un spécialiste, mais surtout parce qu'il n'y a que la fondamentale. Zéro harmonique. Et si tu rajoutes progressivement les harmoniques, ça donne quoi? Alors, déjà, on ne peut pas simplement rajouter les harmoniques. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que chaque instrument a sa propre décomposition en harmonie. Vous savez quoi, en fait? Ça, c'est un sujet complexe. Je pense qu'il vaut mieux qu'on le garde pour une prochaine fois. Ouais, ouais, c'est chaud, ça, ouais. Quoi, c'est fini, là? Alors, pas tout à fait. Mais presque. Et donc, quoi, donc? Bah, je sais pas, du coup, qu'est-ce qu'on a vu? Bah, on a vu plusieurs choses. Déjà, on a vu qu'on peut créer une note à partir de quasiment n'importe quel son pour peu qu'on le répète suffisamment souvent et régulièrement sur une période. Pour créer une fréquence. Et dans ce cas-là, donc, si j'ai bien compris, on se paye également des sons plus graves que celui qu'on entend, ce qui n'est pas ouf, peut-être, mais ça permet d'expérimenter des choses assez intéressantes. Notamment, je vous mets en lien dans la description une vidéo d'Adam Yelly dans laquelle il explore ce qu'il appelle la musique fractale. C'est énorme, la musique fractale. Justement, on fera peut-être une vidéo dessus. L'accélérer. En réaction, pareil, parce que je sais pas faire de vidéo. Mais la fractale, c'est de la. Ouais, c'est trop bien. Ce qui est assez ouf. Et les accords, non, mais on a avec le cycle des cartes et tout. Non, mais en vrai, on peut. Hein. Voilà, donc, ce qu'on appelle un accord, c'est quand on a plusieurs notes qui sont jouées en même temps. Alors, en vrai, techniquement, un accord, c'est à partir de trois notes jouées en même temps. Quand il n'y a que deux notes qui sont jouées en même temps, on appelle ça un intervalle. Faux! Un intervalle, c'est une distance. C'est pas un accord. Un accord de deux sons, on peut avoir deux sons et jouer en même temps, ça fait un accord. Parce qu'on sous-entend les autres. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on dit accord quand il y a trois sons. On peut en avoir, on peut aussi les répertorier en quatre pour les bons. À la fin du conservatoire, on arrive facilement à répertorier les quatre sons. Quand on est plus après le conservatoire, on va aller chercher les cinq sons. Mais ça, c'est plus en jazz qu'on va aller chercher la cinquième note. C'est pas la cinquième, l'intervalle. C'est la cinquième note, justement. Quand on est sur quatre sons, c'est un accord de septième de dominante. C'est ce qu'on utilise le plus souvent en jazz.
Et on rajoute encore des autres notes de basse dans les accords pour dire on a cette basse-là sur un accord renversé. C'est un truc de fou, voilà. Donc dès qu'on arrive à aller sur quatre sons, c'est déjà bien. Et après, on sait que les sons qui sont dans l'harmonique, ni ça, je suis en train de parler, les sons qui sont dans l'harmonique se répètent. Donc du coup, on sait où ils sont. Mais deux, c'est un accord. Quand c'est joué en même temps, c'est un accord. Quand c'est joué séparément, c'est un arpège. Et à deux, ça marche. On va dire que dès qu'il y a plus de deux notes jouées en même temps, on appelle ça un accord, c'est pas bien grave. Les accords, c'est là où on a les tierces, les quartes, les quintes, les sixtes et tous ces trucs. Oui, voilà, Ouais, exactement. mais sauf que là, tu es en train de confondre intervalle et accord. Dans un accord, on peut faire toutes les notes en même temps, que ça, on appelle ça un cluster, quand c'est inaudible. Do, ré, mi, sol, si, do, dièse, tu mets ce que tu veux dedans. Tu mets ta main sur le piano, tu t'appuies, bon. Ça, c'est un accord, ok. La contenance de l'accord, là, on va parler de tierces, de sixtes et tout. Mais c'est pas de la contenance de l'intervalle, pas de l'accord. Dans l'intervalle, c'est une distance qu'il y a entre une note et une autre note. Et ça n'a rien à voir avec un accord qui est justement un échelonnage de notes. Je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais un intervalle, c'est linéaire. Un intervalle, c'est point A, point B, t'arrives, point, c'est une ligne. Un accord, c'est plus une échelle. C'est sur X notes, on va en placer et on va les mettre tous en même temps. Si dedans, on a un intervalle de tierce, un intervalle de quarte, on fait ce qu'on veut dedans. Mais c'est juste que un accord, c'est en même temps. Intervalle, c'est autre chose. Le nom des accords, globalement, c'est plutôt assez explicite. Par exemple, si je prends un clavier de piano, que je joue un do, voilà, ma fondamentale, ça va être un do. Le do, mettons, je l'appelle 1, donc le ré, je vais l'appeler 2, le mi, je l'appelle 3. Si je joue un do et un mi en même temps, c'est-à-dire que je joue ma fondamentale et un 3. Donc là, d'après ce que tu as dit, si tu joues un do et après que tu joues un mi, ça ne va pas faire un accord. Ça va faire justement ça va faire un intervalle, comme tu as dit, entre do et mi. Ok, si on prend le point de départ do, qu'on arrive sur un mi, entre do et mi, on a une tierce. 1, 2, 3. On prend le point de départ, point d'arrivée, on arrive à 3, et donc du coup, on va appeler ça tierce. La contenance, on va voir si elle est elle est grosse ou elle est petite, c'est majeur ou mineur. Si on a un ton, si on a deux tons, c'est majeur. Si on a moins un ton et demi, donc avec un mi bémol ou un do dièse de l'autre côté, on sera mineur. Et on peut avoir carrément do dièse, mi bémol, ce qui va faire justement une tierce diminuée parce qu'elle fait que un ton. Mais enfin, ça c'est autre chose. Et là, c'est un intervalle. Entre une note et une autre note, c'est un intervalle. Mais là, c'est horizontal. Nous, dans les accords, on parle vertical. C'est pas le même sens. Sauf faire attention, c'est pas la même chose. Cet intervalle, ça s'appelle une tierce. Le fa, ce sera la quarte, le sol, ce sera la quinte, etc. Bah, ça va, c'est facile en fait. Ouais, alors ça dépend déjà parce que quand tu pars du do, tu dis la quarte, c'est le fa parce que tu pars du principe que tu comptes vers le haut, mais si tu comptes vers le bas, en fait, la quarte, c'est le sol. Ouais, ok, parce que justement, on a le sens, on a ascendant et descendant. Justement, c'est par rapport au point de départ, c'est on va vers la gauche ou vers la droite. C'est linéaire, c'est horizontal, c'est le plus et le moins. Si on a une carte descendante à partir de Fa, on a Fa, Mi, Ré, Do. Si on a une carte montante par rapport au Fa, on a Fa, Sol, La, Si, on arrive sur un Si. D'un côté, on a un Do, de l'autre côté, on a un Si. Donc, c'est pas le même intervalle parce que justement, on va vers le haut ou vers le bas. C'est pas du tout la même note parce que c'est pas la même fréquence. D'un côté, on est plus bas, de l'autre côté, on est plus haut. Même si, si on dit une carte, qu'on a un do d'un côté, un si de l'autre, ou inversement, je sais plus ce que j'ai dit, comme exemple, le truc, c'est qu'on aura un octave. Donc, du coup, on aura 220 Hz de décalage. Après, si tu prends par exemple la tierce, tu peux dire que la tierce est majeure si c'est un mi, mais elle peut être mineure si c'est un mi bémol. C'est Par ce que je viens de exemple, si dire. c'est un do qui Mais vient pourquoi vers elle est le haut, une mineure? Parce tierce que qui vient justement, elle fait un ton de vers mi. un mi bémol, bah c'est la même chose qu'une tierce vers le bas, en fait, un la et un do. L'écart entre le la et le do, c'est le même qu'entre le do et le mi bémol. Et Ouais. entre le la et le do, donc c'est une tierce vers le bas, mais vers le haut, entre un do et un la, ce qui est la même chose, en fait, c'est une sixte. Et la seconde, par exemple, Mais c'est on une peut quinte. foutre le bordel en disant ça, parce qu'on peut dire que la tierce entre le do et le la, on est en train de partir vers. On est en train de descendre. Do, si, la. On fait une tierce descendante du do, la. On est en tierce mineure, c'est pas parce qu'on descend. C'est parce que justement, dans l'intervalle, il y a un ton et demi.
Entre la et si, il y a un ton. Entre si et do, il y a un demi-ton. Ça fait un ton et demi. On est en mineur. Par contre, si on a do dièse là, on va descendre, mais on sera en tierce majeure. Donc, c'est pas parce qu'on descend qu'on est en mineur. C'est pas parce qu'on monte qu'on est en majeur. Là, on va descendre. Si on a do dièse là, dans cet exemple-là, on aura une tierce mineure, une tierce majeure descendante. Si on fait do là, on aura une tierce mineure, mais qui descend. Si on fait do mi, on aura une tierce majeure qui est ascendante, qui va vers le haut. Si on fait do dièse mi, on aura une tierce mineure, parce qu'on n'a plus qu'un ton et demi, mais qui monte vers le mi. Voilà. C'est pas parce qu'on monte ou on descend, au niveau de la fréquence d'onde, justement, au niveau de l'intensité. C'est pas parce qu'on va vers le haut ou qu'on va vers le bas que forcément l'intervalle à l'intérieur change. On peut avoir le même intervalle d'un côté comme de l'autre, la distance. L'intervalle, c'est la distance entre les notes. Qu'on va vers le haut ou vers le bas, ça revient au même. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. C'est vraiment un écart, c'est une boîte. C'est ce qu'il y a entre les deux notes. Voilà. Donc c'est doré, ça c'est vraiment pas beau. Alors, mais c'est pas... Voilà, donc là il dit que quand tu fais do ré, c'est pas beau directement, mais si tu fais do et ré avec l'octave de dessus, ça va. C'est vrai sans être vrai, parce que justement, c'est parce qu'on sous-entend les autres notes de l'accord. Je vous ai dit qu'on peut faire quatre sons en accord, et là, ça, il confond verticalité et horizontalité, je sais pas si ça se dit. Le truc, c'est que si on est sur le côté horizontal, donc sur le côté distance, on va parler intervalle, donc la distance entre une note et une autre note. On va pas faire une distance entre quatre notes. C'est pas possible. C'est d'abord une puis l'autre, puis une puis l'autre, puis une puis l'autre. Il y a toujours point de départ, point d'arrivée, point de départ, point d'arrivée. C'est un plus et un. C'est des points. Par contre, si on va au niveau vertical, là, on aura des notes. Et là, il part du do et du ré qui sont juste à côté. On a un ton, ça frotte, c'est pas beau. Pourquoi ? Parce que nous, on a envie d'interpréter intellectuellement la note qui est juste à côté, le mi bémol ou le mi. Le mi bémol qui est juste à côté du ré, quoi. Donc, on a envie de faire monter notre note pour avoir quelque chose qu'on a l'habitude d'écouter. Une tierce mineure ou une tierce majeure. Là, la seconde, elle est pas, on n'a pas l'habitude de l'écouter. Donc, du coup, pour nous, ça nous semble pas beau. Ça nous semble pas harmonieux. Alors qu'en réalité, si, ça l'est. Parce que le ré fait partie de la quatrième note, c'est la neuvième de do majeur en fait. Ça fait do, mi, sol, si bémol, ré. Si derrière on a toutes ces notes qui s'en vont, entre do et le ré du haut, qui sera donc du coup la neuvième, ça sera un accord de do neuf. Voilà, c'est un peu bizarre. La note qui sera le ré, au lieu d'être juste à côté du do, on le met au-dessus du do. On va l'entendre un peu plus juste. Et ça dépend des contextes. Et ça, les pianistes l'utilisent très souvent, cette technique-là. C'est pour éviter d'aller chercher plusieurs notes en même temps. Et ben, on va chercher ce qu'on appelle un ad-deux. Donc, du coup, l'accord qui fait do, mi, sol pour faire l'accord de do majeur. D'ailleurs, là, il n'a pas parlé d'accord, il a parlé d'intervalle. Et si on fait do, mi, sol, le truc, on va faire do, ré, mi, sol. Et en arpège, ça sonne très bien, c'est les arpèges de Tintin. Do, ré, mi, sol, do, ré, mi, sol, do, ré, mi, sol. C'est les trucs de Tintin, ça. J'adore faire les ad-deux. Et ça, c'est utilisé beaucoup au piano pour faire un aspect mélancolique. Donc du coup, c'est la neuvième qui est décalée sur la deuxième. Voilà. Et ça, c'est de la théorie, mais bon, le truc, c'est qu'il faut pas... C'est surtout ça qui m'énerve, là, sur ce qu'il dit. C'est qu'il faut pas confondre les intervalles qui sont d'un point à un autre avec un accord qui est plus vertical. C'est un do et un ré à chaque fois, mais dans un cas c'est vraiment pas beau et dans l'autre cas en vrai ça va. Bah, ok, j'ai compris, c'est chiant quoi. Mais sinon, pour revenir à nos accords, peu importe comment on les appelle, mettons que j'ai envie de produire un accord de do majeur, donc do, mi et sol. Je vais prendre le son de mon trousseau de clé, l'accélérer ce qu'il faut pour faire un do, donc 262 fois en une seconde. Ensuite, je peux superposer le même son, mais accélérer pour faire le mi do dessus, donc 330 fois par seconde. Trop bien avec ces clés. Et encore superposer le son 392 fois par seconde pour faire un sol. Et ça donne ça. Mais j'aime bien. C'est pas beau. Mais c'est un accord de do majeur classique. C'est pas beau, pourquoi ? Parce que ta crête, elle est pas oscillatoire, elle est pas pure. Ta crête, elle monte. Elle redescend, elle fait une petite crête et elle revient. Et elle fait... En fait, il y a une petite bosse dans ton oscillation qu'on a vu tout à l'heure.
Il y a une, ça fait une grosse bosse et une petite bosse. Et c'est la petite bosse de la résonance des clés, justement. Quand elles sont tombées, elles ont fait pas boum, elles ont fait boum paf. Et le fait de faire boum paf, on entend boum paf pour, comme cycle. Et c'est pour ça qu'on entend tout le temps le. On entend osciller. Parce qu'il y a le paf qui est dessus. Mais on entend bien le do, le mi et le sol. Et Mais on c'est sait beau qu'on aussi. peut, Moi, je je suis vais pas d'accord. partir un Je peu suis pas plus loin, d'accord qu'il dit c'est pas parce beau. que c'est même le principe des synthétiseurs. Et on a les analogies qui, ceux d'avance, l'époque du Moog, par exemple, où vous avez un signal en entrée, qui est un signal sinusoïdal ou éventuellement un signal carré, par exemple, et vous l'accélérez jusqu'à obtenir une fréquence donnée, puis vous le composez et vous le superposez avec d'autres sons pour en faire plus ou moins des harmoniques, et vous produisez le son que vous voulez. Attends, mais c'est comme ça que ça marche? Bah oui. Moi, je croyais qu'il y avait un ingé son qui venait, qui enregistrait le son de chaque touche à un piano. Il l'enregistrait vraiment de la façon la plus nette possible, la plus propre. Et qu'ensuite, on assignait chacun de ces sons à un clavier Putain, il part loin. particulier pour ensuite Toutes les obtenir notes un sont enregistrées son. une à une. Alors, ça Waouh. se fait ça aussi, ça se fait même très souvent aujourd'hui. Mais ça s'appelle de l'échantillonnage. On Ouais. prend des échantillons et on reconstitue un instrument. Mais ce n'est pas ça le principe du synthé. Le principe du synthétiseur, c'est justement de synthétiser chaque son. Ok, mais c'est moins beau. Moins beau, moins beau, ça dépend. Tout dépend de ce qu'on veut faire, quoi. Je veux dire, le synthé, c'est vraiment le son des années 80. C'est surtout définir la beauté. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau? Ça, c'est une interprétation personnelle. Donc, du coup, ça, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce qui est normal? Est-ce qu'on est notre libre juge par rapport à ça ou est-ce qu'on est influencé par les éléments extérieurs? Il n'y a aucune réponse à ces questions. Donc, du coup, le fait de dire c'est beau, c'est moche, c'est juste un sentiment personnel. Le fait de dire j'aime ou j'aime pas, c'est déjà un peu plus concret. Et dire encore, j'aime pas parce que c'est encore mieux. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont dans l'art et qui se tapent la tête à dire, ouais, mais vas-y, je vais faire ça, 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 ça. Et puis, ils ont une idée, ils ont envie de transmettre quelque chose. Puis toi, t'arrives et tu dis, ouais, non, c'est de la merde. Mais c'est de la merde alors que le gars, il a passé des milliers d'heures sur son truc, sur un tableau, sur une compo, sur, je sais pas, sur une bande son, sur un film. Et derrière, on dit, ouais, non, c'est de la merde. Donc. Le fait de dire j'aime ou j'aime pas et de dire j'aime pas parce que ou de dire j'aime parce que ça fait avancer les choses. Dire c'est de la merde. Les gars, ils se, voilà, ils ont passé des mois, ils ont mis des milliers d'euros limite dans un budget pour essayer de faire un concept. Et derrière, on vient tout exploser en disant ouais, c'est de la merde. Ouais, non, moi je suis. Voilà. Donc qu'est-ce que la beauté? Par rapport à la beauté, justement, est-ce qu'on réfléchit par nous-mêmes ou on est influencé par des éléments extérieurs? Et voilà, est-ce qu'on est notre propre jugement? Est-ce qu'on est notre propre juge? Est-ce qu'on a lieu de juger déjà de base? Et on peut produire vraiment des sons qui sont incroyables. Mais c'est sûr que ce ne sera jamais aussi idéal pour reproduire le son d'un piano ou le son d'un violon ou d'une trompette. Encore qu'on est capable de s'en approcher quand même. Voilà, donc tout dépend de ce qu'on veut. La meilleure façon de s'approcher d'un son de clarinette, de flûte ou de trompette, c'est d'avoir le trompettiste, le flûtiste ou le clarinettiste à côté de soi. On l'enregistre et on fait, comme il a dit, de l'échantillonnage. On prend les sons, on les sample et derrière, une fois qu'on a le sample, on peut le claquer. Si on veut des autres notes, on peut justement modifier un petit peu la fréquence pour dire on est un peu plus haut, un peu plus bas. Donc du coup, ce qui va faire ça, c'est qu'on va synthétiser le son pour le mettre un peu plus haut, un peu plus bas par rapport à sa fréquence pure. Et là, on aura une déformation, on aura une synthétisation. Mais on ne peut pas aller très, très loin, en fait. Si on fait plus de deux tons, on va entendre justement que ça ne va pas être bon, parce que ce n'est pas la même vibration. On ne vibre pas pareil sur un mi, qu'un do, sur un ré. Enfin, il y a différentes façons de le jouer, et l'interprétation est là pour ça. Justement, c'est ce qui fait la différence entre les synthétiques et les sons réels. Enfin, les sons réels, entre guillemets, les sons de l'instrument. C'est que l'instrument, il vit avec nous, l'instrument, il vibre avec nous. Et il y a une façon de vibrer que nous, on donne, qui n'est pas sur les éléments physiques, enfin, je veux dire, les éléments qui sont en synthétique. Parce que la synthétique, c'est de la donnée globale fixe. Et le son n'est pas fixe. Le son, c'est une interprétation. Si on veut le faire plus bas ou plus haut, c'est notre ressenti personnel. Voilà. Et peut-être que c'est plus harmonieux d'aller chercher un ré plus bas ou d'aller chercher un sol plus haut.
Peut-être, on ne sait pas. Et ça dépend des contextes, tout ça. Donc du coup, le fait d'être théoriquement bon n'est pas forcément les sons qui sont réellement bons pour l'oreille, pour l'audition. Ok, mais du coup, si tu joues maintenant ton accord de Do majeur, la demi-sol, si tu joues au piano, est-ce qu'on entend aussi toutes les harmoniques des trois notes jouées? Mais bien Oui. sûr, on les entend toutes. Mais pourquoi ça fait pas un bordel du coup? Comment ça se fait qu'un accord demi-sol, c'est harmonieux? On devrait Parce que avoir ton une vraie cerveau, il quelque décrypte et il enlève position tout le après. reste. Et bien ça, c'est une question qu'on va se garder pour la suite. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère C'est que vous justement avez toutes ces tous pris questions-là de la suite que conscience j'aimerais de bien l'importance. écouter. Vous savez comment faire, vous savez qu'il faut le liker, le partager, le commenter. Si vous avez envie de soutenir la Là, il chaîne, fait vous son pouvez outro. aussi. Le truc, j'aimerais bien voir la suite de ces vidéos, tout simplement pour ça, pour dire, là, il a fait une grosse introduction de la musique, de la conception de la musique. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'un son, comment est matérialisé un son, comment se propage un son. Du son, on arrive à faire des éléments, et donc du coup aller chercher plus ou moins haut, de synthétiser le son plus ou moins haut. Et c'est la suite justement qui m'intéresserait pour voir vraiment le titre de sa vidéo, comment ça marche la musique. Parce que là, il a dit comment ça marche un son, il n'a pas dit la musique. Moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de voir son interprétation personnelle de la musique. Parce que comme je vous ai dit au départ, la musique, c'est un langage. Et le langage, il n'est pas fixe. Le langage, il est entre une personne et une autre. Et si on n'a pas le vocabulaire en face, on ne pourra pas décrypter le langage qu'on est en train de dire. Comme un anglophone qui va parler un espagnol, l'anglophone va parler en anglais et va dire Hello, how are you? Et l'espagnol qui est en face, qui ne comprend pas l'anglais, il va dire Qué dice? No comprendo, no entiendo. Je comprends pas. Et donc du coup, le truc, c'est que vu qu'on n'a pas le même vocabulaire entre les deux interlocuteurs, le message ne passe pas. Si on a le même vocabulaire, on peut avoir l'information. Et si on manque de vocabulaire, on a l'information, mais qui va être dégradée. Et donc du coup, on va peut-être dire Ah, j'aime pas. Mais au fur et à mesure de l'écoute, au fur et à mesure de réécouter, on va avoir de plus en plus d'informations sur ce qu'on dit. C'est un peu comme le scatman qui parle super vite. I'm a scatman. Et son truc, il fait du scat, il parle super vite, on comprend pas trop. Mais à force d'écouter, on comprend de plus en plus le où l'interlocuteur veut en venir. Voilà, et donc du coup, on a le message. Si on a le message, c'est quoi? C'est une information sans parole, mais ça reste une information, ça reste une histoire. Ça reste un dialogue entre celui qui parle et celui qui écoute. Hein. C'est plus un monologue qu'un dialogue. Et donc du coup, l'information passe et elle peut déclencher une émotion par l'écoute. Comme quand on raconte une histoire à quelqu'un. J'ai voulu faire l'épisode pas trop long, quitte à en faire plusieurs, donc il y a la suite qui arrivera. Il a dit pas trop long, mais c'est quand même une heure de À vidéo. bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, restez curieux. Et du coup, le trousseau de clés, quand il tombe, il a des notes aussi? Je veux dire, genre, c'est un trousseau de clés qui tombe en la bémol, ou comment ça marche? On verra ça une prochaine fois, si tu veux bien. D'où l'oreille absolue. L'oreille absolue, le trousseau de clés tombe en la bémol si tu veux. Voilà, et ça, j'ai horreur de ça, je comprends pas. Moi, j'ai une oreille relative, une oreille absolue. Voilà. Donc, du coup, de partir d'un point et d'avoir les autres notes, ça, je suis capable de le faire. Mais de dire ça, c'est cette note-là, j'ai trop du mal. Alexandre Astier le fait, ça. Et ça m'énerve. Et d'ici là, les gens, à bientôt. Voilà. On remet la caméra ici. Voilà. Donc, c'était la vidéo. Oups, j'ai tout déréglé. Pardon. Hop là. Voilà, donc c'était la vidéo de Y penser, de Bruce, que je voulais un peu décrypter. J'ai encore mal aux yeux. Que je voulais décrypter.
Le truc, c'est que c'est super intéressant, tout simplement parce que, comme je le dis depuis le début, la vision de la musique et l'interprétation de la musique, c'est une interprétation personnelle. On n'a pas de définition directe de la musique. D'ailleurs, je vais aller regarder vite fait la définition. Définition de la musique. Quelle est la définition du dictionnaire de la musique? Dans le Larousse, la définition de musique, c'est un nom féminin qui a plusieurs branches déjà. Art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire de son produit de cet art, œuvre musicale. Donc les trucs que j'adore justement sur les dictionnaires, c'est qu'ils utilisent le même mot pour dire quel est le mot. Donc ça, c'est un truc qui sert à rien, mais ça m'énerve. Qu'est-ce que la musique? Mettre en avant la musique. La musique en bouche, la musique en programme. Qu'est-ce que la musique? Waouh! Mais moi, je veux savoir ton terme. Donc du coup, art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire de son. Donc ça veut dire que la parole est de la musique. Parce que quand on parle, on a des sons. Et les sons, on s'exprime avec, on les envoie. Et donc du coup, le fait de parler est de la musique de base. Donc ça, moi, c'est un truc qui m'intéresse. C'est un truc que j'utilise aussi. La production d'un art. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que l'art? C'est quoi de l'art? Une œuvre musicale. Ça, je fais un aparté parce que justement, dire que de la musique, c'est de la musique, ok. On dit que la science, c'est de la science. Ok. La deuxième définition, sans science des sons considérés sous le rapport de la mélodie et du rythme. Ok, donc pour moi, la musique, c'est un échelonnage de sons qui ont été mis dans un sens par rapport au temps. Dans une spécialité dans le temps. Et donc du coup, ça crée justement une bulle où on a les sons qui se baladent et qui sont agencés de manière harmonieuse. Et donc du coup, là, on a l'aspect de mélodie. Une mélodie qui fait justement la mélodie, c'est quoi dans la musique? C'est une ligne qui va vers le haut, vers le bas par rapport à la hauteur de son, et qui a des rythmes, donc du coup, des sons qui sont plus ou moins longs dans la longueur du temps, et qui devient mélodieux, qui veut dire harmonieux. Voilà. Notation écrite d'airs musicaux, lire la musique, synonyme partition. Non. Réunion de gens pratiquant la musique. Donc la musique, c'est une réunion de gens qui pratiquent la musique. Mais qu'est-ce que la musique? Donc la musique, c'est une réunion des gens qui pratiquent la musique. Mais qu'est-ce que la musique? La réunion des gens qui pratiquent la musique. Vous êtes sympa dans les dictionnaires, mais vous répondez pas à la question en fait. La suite de sons produisant une interprétation harmonieuse. J'aime bien ça. La musique d'un vers, qui est synonyme d'harmonie et de mélodie. Harmonie, mélodie. Et ouais, harmonie mélodie, c'est synonyme, mais ça déclare déjà l'interprétation et ça déclare les sentiments du son. J'aime bien. Familier, ironique, ensemble de sons désagréables, suite de plaintes, de récrimination. Quelle musique? Je n'ai jamais entendu ça. Voilà, donc même dans les dictionnaires, ils sont incapables de donner la définition. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien des petites vidéos comme ça, pour aller chercher la définition d'un art. Et tout ce qui est art, c'est personnel en fait. Ta définition, elle est personnelle. Donc du coup, tu vas aller chercher quelque chose. On va se rapprocher d'une définition globale. Donc pour moi, la musique, c'est un agencement de sons qui est lié dans le temps et qui fait un langage qui est porté vers l'expression et pour faire porter un sentiment. Et pour moi, c'est ça la musique. Après, il y en a qui ont d'autres expériences et qui ont aussi d'autres approches. Voilà. Donc, moi, j'arrête la vidéo pour l'instant ici. On se revoit tout de suite pour faire le Trombone Champ et après, on ira sur le Overwatch. Allez, ciao les gens!